Bonjour, Michel Hachette. Bonjour à tous. Toujours dans le cadre de la comptabilité approfondie, on va entamer aujourd'hui l'évaluation des biens produits par l'entreprise. Les immobilisations produites par l'entreprise. Le coût de production des immobilisations est formé par la somme des coûts d'acquisition des matières premières pour la production de l'élément. Ça veut dire le prix d'achat de plus, les charges directes afférentes. Ainsi, nous allions plus les charges directes de production, tous les services directement affectés à la production, de l'immobilisation, à l'aide personnelle, on aurait fait, et les charges indirectes, dépenses qui ne peuvent pas être directement affectées au coût de production, qui doivent être également fait l'objet de répartition entre les différents coûts. Selon le prix. Maintenant, on va entamer comment on comptabilise. Si la production du bien achevé convient de comptabiliser au coût de l'immobilisation, de la classe 2 concernée. Si l'opération n'est pas achevée à la clôture de l'exercice, c'est le compte de fonds, donc l'essence de l'immobilisation en cours qui doit être utilisée. Attention, la contrepartie de la compta est comptabilisée au crédit du compte immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même. Merci de vos attentions et jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas.